entrer dans une nouvelle dimension qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. Donc c'est vous qui organisez le printemps des sonneurs ? Oui, exactement, c'est la Kevren Samar. Sur le printemps des sonneurs, en fait, on organise une fois par an un festival. Là, c'est la première fois cette année qu'on fonctionne par système de trois dates. Généralement, il n'y avait que le samedi aujourd'hui. Et cette année, on a innové, on a fait le jeudi soir un Fest Noce qui a eu lieu sous la salle des conférences. Bah, pas sous la salle des conférences, à la salle des conférences. Hier, il y avait des soirées dans des pubs. Et donc aujourd'hui, la journée, quoi, avec le défilé qui est parti de la place Guérin. Et après, les groupes de première catégorie, donc Inter, qui va jouer, nous, après la Kevren Saint-Marc. Et ce soir, à partir de 18h, il y a le Triomphe, où on va partir au niveau de Dialogue, des Fontaines, et on va remonter ici. Quoi, tous ensemble, ça va faire à peu près 500-600 musiciens qui vont jouer tous ensemble, quoi, pour le même morceau, qui vont arriver sur la Place de la Liberté.
Nicolas Sarkozy, ses déclarations racistes, ses projets totalitaires, ça, ce n'est qu'un visage de ce gouvernement. Un visage qui s'envisage président, c'est vrai. D'ailleurs, quand Chirac était à la place à laquelle est Sarkozy aujourd'hui, il faisait lui aussi sa déclaration raciste sur le bruit et l'odeur de nos frères et sœurs immigrés. Si Sarkozy nous fait peur, la roue n'a jamais tourné. Luttons, ne perdons pas pied contre les rafles des sans-papiers, contre la répression, la criminalisation généralisée. Mais, analyse, car c'est bien la gauche gouvernementale qui a ouvert le bal de ces politiques régressives, agressives, répressives et néolibérales. Là, ce collectif qui est brestois et qui suit l'appel national, il regroupe le plus de gens possible et c'est un truc unitaire. Après, j'espère que ceux qui sont au PS n'oublient pas leur histoire, la façon dont c'est fait, la façon dont le cheminement a aussi monté ses lois. Et que les sans-papiers ne sont pas aujourd'hui en France, ils sortent pas du chapeau aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'ils luttent, ça fait même plus que ça. Et effectivement, le PS a ses responsabilités à prendre, comme d'autres personnes, comme d'autres partis politiques. Mais bon, après, à titre individuel, pourquoi pas, moi je refuse pas, quoi. Tant qu'il y a le plus de monde possible, je refuse pas. C'est une pétition pour une petite fille qui est dans l'école de nos enfants, à nous, puisqu'on est maman. Une petite fille qui s'appelle Patimat, qui a 6 ans. Et qui est née hors mariage. Et comme elle est née hors mariage au Daghestan, qui est une partie du Caucase russe, elle est menacée de mort là-bas. Et on veut l'expulser. Donc c'est une petite fille qui est cachée par les Brestois et on va dire les Finistériens depuis 5 semaines pour éviter l'expulsion. Et donc sa maman est là pour essayer de se défendre. Et nous, on voudrait que l'État prenne en considération l'histoire de la maman et que sa vraie histoire soit étudiée. Centre de rétention, contrôle de l'immigration, l'humain sanglatisé, communauté le stigmatisé. Grillage sans papier, tu es grillé, cherche la paix, tu te retrouves en cage. L'État dit que c'est à l'Allemagne d'étudier la situation. Et quand elle est arrivée en Allemagne, la maman, elle a fait 7 camps différents avec des gens dans la même situation qu'elle, dont des Turcs, des musulmans. Et donc elle a raconté une fausse histoire en disant qu'elle était veuve, puisqu'elle a eu peur. Elle a dit qu'elle était veuve et que son mari était mort en Tchétchénie à la guerre. Donc du coup, en Allemagne, c'est rédhibitoire, on ne réétudie pas le dossier. Et nous, on voudrait que son affaire soit prise en compte, sa vraie histoire. Et on a déposé un dossier à l'OFPRA pour la petite, pour qu'elle ait un statut d'apatride, parce qu'elle n'a pas été déclarée, vu les circonstances, dans son pays. Et on voudrait que pendant que le dossier est étudié, c'est-à-dire maintenant, elle puisse sortir en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, cette situation-là date des accords de Schengen, le fait qu'on puisse déposer uniquement quelque chose, enfin uniquement dans un seul pays de la CE. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? C'est pas quand même quelque chose de nouveau? Est-ce que tu en as pris conscience grâce à ça? Est-ce que le fait que tes enfants soient dans la même école que Patima, ça t'a permis de prendre conscience de ce qu'était la réalité de Schengen? Oui, tout à fait. Nous, avant, je pense que toutes les mamans ici, on s'en était pas rendu compte et que ça nous arrivait en pleine face. Et que là, on s'est dit que si on faisait rien, peut-être qu'on pourrait plus se regarder très longtemps dans la glace. Voilà, c'est tout. Criage sans papier, tu es crié, cherche la vie, tu te retrouves en cache. Criage, système de sécurité, rendez-vous, vous êtes cerneux. Est-ce que je peux m'expliquer un peu ce que c'est que cette loi, tout ça? C'est une immigration choisie, c'est-à-dire qu'on va choisir les élites, on va choisir ceux qui ont le plus de compétences, et moi je suis pas d'accord, je suis contre ça.
surtout choquée par, par exemple, quand on dit que les préfets devront faire du chiffre, par exemple, pour les, contre les, pour les expulsions, des choses comme ça. Et que nous soyons évacués de cette façon scandaleuse, nous disons que ce n'est pas digne de la France. Par la loi Sarkozy, c'est une loi qui ne fera que vider les cerveaux de l'Afrique. Et ce sera une deuxième fois de l'esclavage et de ce que moi j'appelle de l'esclavage intellectuel. Il faudrait plutôt rechercher les causes pour lesquelles les personnes quittent l'Afrique, pourquoi les personnes viennent vers l'Europe. Et ainsi on pourra résoudre le problème à la base. Et on sait très bien, Sarko aussi le sait très bien, que pour résoudre le problème, il faudra installer des régimes démocratiques en Afrique pour que les conditions adéquates soient réunies pour que ces personnes puissent rester chez eux. Et c'est la seule manière qu'on puisse endiguer l'immigration. Voilà. Tu te souviens de 2002 ? Lorsque la droite a été élue avec l'appui de la gauche bien pensante pour faire barrage à l'extrême droite ? Eh ben depuis, mon ami, il y a 16 des 30 propositions de campagne du Front National qui ont été appliquées. Sarkozy n'est pas le seul coupable. Faut qu'on se réveille, qu'on libère notre parole, nos colères, nos revendications. C'est que le début. Faut qu'on continue le combat. Je n'ai pas toujours les pieds sur la terre. Ma tête baigne dans la stratosphère. Je suis chez moi comme y étaient les frères. À force de vivre dans mon univers, je risque bien de rater ma carrière. J'ai plus de chance d'y croiser les frères. Bogdanov, j'en parlais l'autre jour avec monsieur le maire, on n'a plus de train, l'école est fermée, et v'là qui pas qu'ils veulent nous enlever la poste. Ils m'ont coupé le téléphone parce que j'ai payé en retard, demain ils ont qu'à couper l'électricité, et on sera coupé du monde comme en 40. Jean-Yves, c'est donc ce chômage qui baisse enfin. Et de façon sensible, 25 600 chômeurs de moins en juillet, moins 1% après les 35 000 de juin. C'est le quatrième mois consécutif de baisse et le taux de chômage repasse en dessous du seuil symbolique de 10%, ce qui ne s'était pas produit depuis 2 ans. On est à 9,9%. La catégorie numéro 1. Votre candidature n'a pas été retenue car votre formation ne correspond pas à celle souhaitée par l'entreprise. L'ANPE étudiera avec attention toute nouvelle candidature que vous enverrez sur d'autres offres. L'ANPE vous remercie. L'ANPE vous remercie de votre attention. Comme demandeur d'emploi, les chiffres au chômage discutables et tout à fait douteux. Les gouvernements successifs ont restreint le champ du chiffre officiel. Ce chiffre n'est pas politiquement neutre. Ce chiffre n'est pas politiquement neutre. Qui sont les inactifs alors ? Les disparus de ce chômage, la catégorie invisible. Qui avait abouti à une estimation de l'ordre de 7 millions de personnes concernées directement par le chômage et les personnes qui sont dans des situations extrêmement précaires. Donc ça fait au total 7 millions, c'est-à-dire près du tiers de la population active. Ça m'a foutu en colère, tu es en colère, tu es en colère, tu es en colère. Créé dans la chien que je lui disais à monsieur le maire, quand le con là, il n'y a pas d'autre mot, qui m'annonce que l'hôpital du canton va fermer aussi.
Alors c'est décidé. J'appelle mon cheval et c'est en carriole que je vais y aller à Digne-la-Meuse, à 15 km de Verdun, pour gueuler contre tous ces pincus qui dirigent le monde. Tu es en colère. À la base, le collectif Enragé, c'est une quinzaine d'assos. On a organisé 3 festivals Enrageons-nous. L'idée, c'était de remettre du sens, du débat au sein de la cité, d'expérimenter des nouvelles pratiques, de montrer que des choses mortelles se font ici et là-bas. On a décidé de venir s'installer à Quéréderne, un quartier vertical, enclavé entre 2 grands axes, un quartier où personne ne passe. Après ce festival, il nous a semblé qu'on n'avait pas encore assez insisté sur la notion de précarité, de chômage. Alors on a décidé d'aller rencontrer les gens qui galèrent, on a peint une caravane aux couleurs de l'ANPE, et pendant 3 semaines, on a bougé cette caravane d'ANPE en ACEDIC dans Brest. On voulait faire un truc joyeux et décalé, mais pas un week-end où tout le monde s'en va déprimé par les constats. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, le Festin des Feignants ? Le Festin des Feignants, c'est un week-end de politique festif avec des débats autour du chômage, des projections de films. Dans une ambiance festive et conviviale. Dans une ambiance festive et conviviale, il y aura sandwich et festin. C'est vous, festive et convivial ? C'est toi convivial, c'est toi festif, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des Feignants ? Ça n'existe pas. Ils sont toujours d'actualité. Exploiter, aliéner, damner de la terre, exploiteur, ce sont des mots qu'on peut entendre 30 ans plus tard, maintenant, et ils signifient la même chose. Et pourtant, ils ont été vidés déjà par la gauche, ils ont pu employer. Et ça, c'est une défaite. Jean-Yves, c'est donc ce chômage qui... Ah, feignant. Feignant ? Ouais, c'est pour ça qu'on est là. Feignant depuis longtemps ? Ouais. Depuis combien de temps ? Depuis 26 ans. C'est un choix ? Et demi. Là, c'est un choix, ouais. Enfin, c'est devenu un choix. C'est une naissance. C'est une naissance, mais... Ouais, c'est... j'ai rien trouvé de mieux, quoi. Tu as trouvé une compagne feignante aussi ? Ouais, voilà. Toi aussi, t'es feignant depuis 26 ans et demi ? Monsieur, qu'est-ce que vous pensez des feignants ? Il n'y en a pas. Hein. Non, il n'y en a pas. Faut bien que tout le monde travaille un petit peu aussi, quoi. Mais bon, c'est sûr, ça, vous avez raison de faire ça. Et qu'est-ce que tu fous là, toi ? Pourquoi t'es là ? Bah, je suis une feignante, alors je viens me promener en plein milieu de la journée au lieu d'aller au travail, quoi. Ah, t'es une feignante ? Ouais. Revendiquée ? Ah, je suis syndiquée même. Je suis au syndicat des feignants. Une activiste, alors ? Voilà, on peut dire ça comme ça. Et un feignant activiste, qu'est-ce que c'est ? Alors ça dort, ça fait la grasse matinée. Bon là, bon, il y avait une action, donc je me suis levée quand même, bah, c'était dur, hein, mais bon. Je finis par me lever, je me suis habillée, je pris un petit déjeuner, enfin une journée de feignant quoi. Et hop, je suis allée à la manifestation, alors on marche, on est fatigué, on va jusqu'à la sous-préfecture, en passant par Cotard-Yévène, enfin bon, tout le tralala, et puis bah, voilà, c'est... Après je vais rentrer chez moi, je vais faire une sieste, puis je vais... glandouiller, lire un bouquin, oh, pas trop difficile, hein. Je suis une feignante, hein, faut pas l'oublier. Et puis, Vous pensez des feignants ? Des feignants, c'est-à-dire ? Est-ce qu'il y a une caravane de feignants qui arrive ? Oui, bah, si c'est des chômeurs, j'apprécie beaucoup. C'est lamentable de faire ça, c'est épouvantable, alors qu'on leur donne pas d'argent, enfin, on leur donne pas de boulot, etc. Et on dit que ceux qui veulent pas aller au boulot, c'est dégoûtant. Voilà. 7,62 € aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que. Quand on est gauche, on accepte qu'il y ait aujourd'hui 1,2 million de personnes, c'était 1 million à l'époque, qui survit avec moins de 2 500 balles par mois. C'est un drôle de truc quand même quand on est gauche, non ? Et c'est pas faute d'avoir été interpellé hein, par les syndicats, par les associations. Que pensez-vous de cette manifestation ? Je ne sais pas trop que penser, étant donné que je ne sais pas ce qu'ils demandent. Hein. Je pense que tout est bon à demander, mais on n'obtiendra pas tout ce qu'on veut. Automatiquement, il faut
c'est difficile de se faire une idée exacte de... Il y a des besoins énormes, partout, dans tous les domaines. Et je crois que c'est une bonne volonté générale qu'il faudrait, plutôt qu'une manif. Pensez des feignants. Bah, il faut les mettre au boulot. Qui c'est les feignants? Là, dans la caravane, il y en a plein là-bas. Ah, d'accord. Il y a un nid. Non, il faut les mettre au boulot, c'est ça. Bah, il en faut, hein. Il en faut, ouais. Vous êtes feignante, vous-même? Non. Non? Non. Vous pensez le non, devenir? Non, je trouve dommage, je trouve super leur caravane. Et puis, bah, je pense qu'on passera tous par là, malheureusement. C'est... Malheureusement? Bah oui, je crois que c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est bien qu'il y ait plein de monde là, et puis... Puis ils sont pas tout seuls, et puis on est tous là, puis non, pas fainéant, il y a du monde, c'est le principal. Du genre de contrat nouvelle embauche, qui me concerne pas moi parce que je suis à la retraite, mais qui concerne bien des jeunes, et qui est complètement aberrant. Il y a beaucoup de retraités dans le cortège. Ah bah tant mieux, oui. Pourquoi pas. Ça veut dire qu'ils sont solidaires des autres. Et ben, je suis pas au courant de rien du tout. D'accord. Je ne suis pas au courant, je ne sais même pas pour qui manifeste. C'est pas pour moi dans tous les cas. Hein. Je ne sais pas. Pourquoi pas pour vous? Ben, moi, j'ai rien à réclamer. Je réclame du boulot et tout, et j'en ai. Je suis content. Ben, que voulez-vous que je vous dise de plus? Moi, Béatrice, chômeuse, heureuse. Les derniers chiffres du chômage là, qui sont de juin, c'est officiellement qu'on prend tous 4 600 000 chômeurs. 3 700 000 dans les 6 catégories qui sont comptées, 450 000 des gens qui sont en ASS, 450 000 de mecs qui sont dispensés de recherche d'emploi, les vieux qui ont dit c'est pas la peine de chercher du boulot, de toute façon on vous en trouvera pas. Les jeunes qui s'inscrivent même pas parce qu'ils n'ont aucun droit, c'est que des sanctions, des radiations, des convocations, des récouilles, machin. Ils s'inscrivent pas. Donc au total, c'est des millions et des millions et des millions et des millions de chômeurs. Donc moi, je crois que. Et puis le chômage, il y a l'histoire du chômage, il y a aussi un rôle. Il y a un rôle de pression terrible sur le prix du travail. Et ça, c'est pas des bandits. On traite les gars d'un CGET de SNCF de bandits. Mais pas les autres, pas les patrons qui vont se saisir de notre fric pour s'en faire encore plus. Quand t'as la volonté de se battre, ça je suis pas tout à fait d'accord avec toi, quand tu le dis le 29 mai a montré quand même des choses, les manifs depuis quelques temps montrent quand même qu'il y a de plus en plus de monde qui retourne dans la rue, eh bien il faut les pousser, il faut pousser la CGT et Thibault d'être un peu plus agressifs, un peu moins lourds. Hein. Ah ben c'est de leur faute s'ils sont feignants. C'est ça qu'ils disent hein, les patrons. La réduction du travail, du temps de travail, le travail des enfants. Partout, enfin, à chaque fois, le patron, il ne concède rien. C'est toujours le rapport de force, c'est toujours la lutte des classes qui l'emporte. Alors, c'est suffisant, c'est pas suffisant. Évidemment qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant. Mais le chômage, il a aussi ce rôle-là. Et moi, je crois qu'il n'y a qu'une seule réponse à apporter. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Les solutions, elles sont ailleurs, mais elles sont où? Elles sont dans les programmes, elles sont dans les promesses, elles sont... Non, l'urgence, c'est tout de suite, parce que c'est nos vies, c'est tout de suite qu'on les vit. Donc, il ne faut pas accepter qu'une seule famille soit expulsée, il ne faut pas accepter qu'une seule personne soit coupée de l'énergie, et il ne faut pas accepter que les huissiers pénètrent chez nous. Et ça, personne ne peut le faire à notre place, donc je vous conseille vraiment vivement de mettre vos noms, vos téléphones sur ces feuilles, et qu'ensemble, on puisse les faire reculer. Voilà. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, les chômeurs en puissance, le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, c'est le sortir. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir.
Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, oui. Alors, au boulot et un peu vite. Le collectif enragé a perdu ses louches. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'en remettra? Parce que j'en ai fou, moi, je m'occupe de mes louches à moi. Puis... Ah, si à tout le monde gueule, on dit, ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. Ouais. La soirée n'est pas finie. Le premier des droits de l'homme, c'est... Pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière. À maudire le salaud, l'enflure, un tartuffe qui a dû vendre son âme avant de vendre des chaussures, des godasses en peau de banane. Un peu plus tard, on se relève en s'accrochant tant bien que mal à une vieille branche qui nous soulève, nous demande si on s'est pas fait mal. Là on dit, Pierre-Henri, oh, c'est toi? Lui il dit, hey, je suis avec vous. On se concentre sur le premier pas. Vieux mot est sûr, quand on est sous, c'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière. Mais on résiste, on se rebelle, on fait face à l'attraction terrestre. Nos bras s'accrochent au ciel et nos guiboles s'occupent du reste. Et hop, bras dessus, bras dessous, tac tac, on repart au combat. On avance pas vite, mais on est debout. Et ça, c'est des trucs qui s'oublient pas. C'est même des trucs qui pourraient... Si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Ah, ça, rien que d'y penser. Bah nous, ça nous fait réfléchir. C'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière. Mine de rien, on se grille une blonde, on se dit que l'amour, c'est pas si grave, et on se refait le monde sans que le monde ne s'en aperçoive. Alors on se dit qu'on l'a bien eu, ouais, et que c'est pas lui qui nous aura. Non, non. Et hop, la fête continue, et on est là pour fêter ça. J'ai eu beaucoup de contacts avec les gens après la représentation. Même pendant. Et pendant la représentation, nous étions plusieurs ensemble, très proches des adultes. Et ça, c'est formidable. L'urgence, c'est tout de suite, parce que c'est nos vies, c'est tout de suite qu'on les vit. Donc, il ne faut pas accepter qu'une seule famille soit expulsée, il ne faut pas accepter qu'une seule personne soit coupée de l'énergie, et il ne faut pas accepter que les huissiers pénètrent chez nous. Et ça, personne ne peut le faire à notre place, donc je vous conseille vraiment vivement de mettre vos noms, vos téléphones sur ces feuilles, et qu'ensemble, on puisse les faire reculer. Voilà. Et ça marche aussi pour les sans-papiers et tous les gens comme ça. Oui, on l'a indiqué aussi pour les reconduites à la frontière. Donc voilà, ça va être très simple. Je vais donner une feuille par table. Alors vous allez voir, ce n'est pas des feuilles photocopiées, c'est des feuilles écrites à la main. Donc voilà, on va en mettre une par table et on va vous demander simplement de mettre votre nom et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse créer ce réseau. Sans doute qu'il faudra qu'on se réunisse pour voir un peu comment ça s'organise. Mais déjà, le premier pas, c'est aujourd'hui. Déjà, on se compte. Pendant ces 3 jours, il y a eu un tribunal. Et pendant ce tribunal, ont été prises des décisions.
les trois questions qui ont été posées aux jurés. La première, c'était de savoir si les chômeurs étaient responsables de leur situation. La réponse à l'unanimité a été non. Deuxième question, est-il légitime, même si c'est illégal, de s'opposer par des moyens physiques aux expulsions, aux coupures d'électricité et aux reconduites à la frontière? La réponse a été oui. Et on espère que ça va faire jurisprudence. La troisième question, c'était définitivement de savoir si les responsables politiques qui, depuis 25-30 ans, ont décidé de pratiquer une politique de sous-emploi, c'est-à-dire l'ouverture au marché, etc., sont coupables de mise en danger de la vie d'autrui et de vol aggravé en réunion. Et la réponse à l'unanimité a été oui. Mais ça ne sera jamais votre truc, ça ne sera jamais, bande de rigolos que vous êtes, bah. Je vous dis que ça ne sera jamais. Non mais, ça va pas, non?
Tous les matins quand je rentre du boulot, je saute à pieds joints dans la dinde de Yinche. Glissant délicatement jusqu'au couloir du métro, je chante mon amour des trottoirs parisiens. Et tous les soirs quand je danse le chair, avant le réveil tellement ça puait. En fait, hier j'avais marché dans la crotte. Alors je mets les pieds dans mes petites mules et puis je me dirige vers la salle de bain. Et puis juste à ce moment-là, je marche dans la pâtée du chien. J'arrive dans la salle de bain, j'ouvre les robinets, plus d'eau. Alors tout ce qui me reste à faire, c'est de mettre mes petites chaussettes en acrylique. Je mets mes chaussures, je lasse les lacets bien fort et en serrant les doigts de pied, il y a tout qui remonte. Je me dirige à ce moment-là vers la porte d'entrée. Je sors, je ferme ma clé, j'appelle l'ascenseur. Et qu'est-ce que je vois apparaître par la vitre? La concierge. Je suis une erreur de la merde, je suis une erreur de la merde.